de décontamination atmosphérique initialisée. Drainage de l'oxygène dans 5, 4, 3, 2, 1. Alors, je fais une erreur en cours. Ok, station de contamination. Mais je sais pas ce qu'on est en train de décontaminer en fait. C'est pour faire partir le corail? C'est pour faire quoi? Je sais pas. En attente d'oxygénation. Niveau d'oxygène normal. Yay! Yay! On a fait ça. Je sais pas trop à quoi ça a servi, mais. Bah, purifier l'air, mais. Purifier de quoi? Ça, la question. Ah, la musique qui fait peur encore. Ça y est, elle revient. Non, non, je veux écouter la musique qui fait peur. Ok, ça suffit. On va au bureau de Cole. Ah, il y a un truc pour me soigner, je crois. Je sais pas où il est. Oh là là. Bonjour, ravi de vous revoir, Dr. Yu. Ah. Mais t'es où? Pardonnez-moi. Diagnostic en cours. Brûlure profonde. Débridement recommandé. Administration d'un anesthésique local. C'est la musique de Dreyfus. Elle est pas mal cette musique. Niveau horreur, ambiance. Sympa. Moi j'aime bien. J'aime beaucoup. Si on fait du New Game Plus, on peut choisir d'être une femme. On peut refaire une femme à la place. Ou on est bloqué avec le personnage qu'on a choisi la première fois. Utilisation. Alors, ça par contre, j'ai besoin d'aide pour ça. Alex souhaiterait que Kendrick devrait lui fournisse un journal d'évaluation psy sur moi. Devrais-je utiliser un code spécial pour communiquer avec Alex? Trouver leur message de transcript ne suivra donc pas. Écoutez le message décrypté. Trouvez votre évaluation psychologique en Alzao. Si vous trouvez Kendrick Devry, vous trouverez peut-être cette évaluation. Il faut trouver Hendrick en fait. Grand tal de Talos.
J'ai pas encore testé le MG+. Il nous faudrait un poste de sécurité. Alors on avait dit Hendrik. C'est bizarre parce que je suis quasiment sûr d'avoir tout vu. Hein. Ici. Ou alors c'est peut-être quelque chose que j'ai sur moi et que j'ai pas écouté. Hendrik De Vries. Ouais, je l'ai trouvé ce mec déjà. Mais il est super loin, il est pas ici en fait. C'est bizarre. Ah quoi que non, ni non, il est juste niveau 4. Bon, on va voir. Il serait simplement au niveau 4. Étonnerait quand même. Ouais, mais comment? Ça, c'est chez moi. Ouais, juste. J'aurais bien besoin d'une cigarette. Crafter des trucs vite fait. Bam, 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 bam. Qu'est-ce qu'on peut jeter encore? Vous fumez? Non. Mais j'ai l'impression que le moment est bien choisi. J'essaierai de vous trouver un paquet si ça peut empêcher vos doigts de trembler à ce point. Mes doigts? J'avais même pas remarqué. Morgane. Pousser? Mikaela. Morgane. Il me faut des balles. Mais arrêtez! Arrêtez de dire mon nom! Genre c'est pour me faire savoir que vous m'avez vu, oui mais j'ai compris. Ça va, c'est bon. C'est parce que je suis votre supérieur, c'est ça, mais bon, quand même. Arrête. Arrête. Merde, je peux pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Il n'y a pas qu'une chose que tu comprends pas. Bon, comment on va au niveau 4 si je me rappelle. Enfin, je crois. Ah bah non, il est tout en haut. Oh, je sais pas, j'y arrive pas à cette mission. Ça m'embête. Je pense qu'on va... Je pense qu'on va faire l'histoire principale. Je pense qu'on va un peu se reconcentrer sur l'histoire principale. Sale con. J'ai pas fait ça. On a 12 neuromodes. Faudrait qu'on les utilise aussi.
Est-ce que j'ai des puces à mettre? Il y a le Psycho Rise, ça pourrait être pas mal, mais bon. Sécurité, on pourrait augmenter. Sprinter à la vitesse faramineuse et sauter plus haut que jamais. Ah, ça pourrait être drôle. Générer un bouclier pendant 20 secondes. 2 attaques. 3 attaques. J'ai envie de faire super saut, mobilité. J'ai peut-être pas lu le transcript. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Je vais regarder après. Il y a tellement de points à mettre. On va tester ça. Je veux tester ça un peu. Ça, ta course faramineuse, ah, putain, c'est pas. Bon, le saut est cool. Le saut est cool, mais ta vitesse, c'est pas trop ça, quoi. Ouais. Le saut, c'est sympa. Le saut c'est sympa, ça c'est quoi? Augmente votre endurance, non, énergie. Déplacez-vous rapidement jusqu'à 6 mètres. De gravité. Ouais, il y a le feu. On n'arrête pas de me dire que c'est bien. Alors, c'est quoi cette résistance thermique? Vos points de pied absorbent 50% de tous les dégâts de feu. Sympa. Créer 3 pièges de plasma incandescent qui infligent jusqu'à 125 points de dégâts de feu dans un rayon de 5 mètres lorsqu'il se déclenche. Les ennemis organiques continueront à brûler pendant quelques secondes. Je fais pas trop, je pense que je vais rester comme ça pour le moment. Marcher et courir sans faire de bruit. On va faire ça. Et dans le prochain. Ah, j'ai un canon avec glu. Le prochain playthrough, on prendra plus de pouvoir en fait, je pense. C'est là? Ouais, c'est là. Ouais, dans le prochain truc, on fera peut-être plus de. Ou alors le DLC, on verra comment ça se passe. On fera plus de pouvoir. Mais pour l'instant, ça se passe très bien avec ce que j'ai, donc bon. Faudrait que j'augmente ma vie. Ah non, on est au max déjà. Non, c'est le psy, faudrait que j'augmente. Ok, on est là. Alors. Alors ça. December. Ah oui, alors j'avais dit qu'on regarderait le transcript. Écoutez le message décrypté du transcript. Mais j'ai pas le message décrypté. Enfin, je crois. Docteur est absent, signal satellite, signal. Oh mon dieu. Pff.
C'est ton boulot de savoir. Franck, t'es là? C'est quoi le problème avec ces modules? J'en sais rien. Comment ça t'en sais rien? C'est ton boulot de le savoir, bordel. Tu les as inspectés, non? Oui. Alors pourquoi est-ce que la séquence de lancement déconne? Drew, j'en sais rien, je suis désolé. Et ton module à toi? Ouvre-le. Je peux pas. Qu'est-ce que tu racontes? Les boulons de la trappe extérieure ont eu des ratés, on est coincé dans le tube de lancement. Vous n'avez attendu personne, espèce d'enfoiré! J'espère que vous crèverez de faim là-dedans. Ah bah j'ai qu'à regarder le nom. Hendrik. Alors, de Hendrik. En fait, tout ça, je les ai jamais écoutés, c'est ça? Bon, après, si je trouve pas, on avance. Ça, je les ai écoutés, je pense. Mais les autres, non. Bon, c'est pas grave. Ah, il y a Grant. Jessica, t'aurais une minute? Je suis de repos. Ouais, mais tu pourrais me redonner la procédure d'amarrage des conteneurs? J'ai loupé la session de mise en pratique. Grant. Pitié, si je demande encore à Gus, il va péter un câble. Tu te trouves au poste d'amarrage des cargaisons? Oui. D'abord, commence par rentrer le numéro du conteneur que tu souhaites amarrer. Je le trouve où? Bah, regarde-le. Alex, bon sang. Attendez, je crypte le reste de cette... Eh oui, voilà. Très bien. Le Dr Cole a déjà supprimé l'enregistrement de la crise de Morgan de son ordinateur. La dernière copie est cachée dans son bureau. Je n'y retournerai pas. Vous devrez la récupérer tout seul. A, C, B, A, C. Bonne chance. Bah voilà, on avance. Assez BAC. On a trouvé. Bah encore heureux que les temps de chargement soient rapides. Hein. Sinon, Méaldas. Let's go. Ah, du coup, il faut faire, faut monter, descendre, descendre. Faut aller dans le grand hall. Ouais. Bonsoir, Talos. Un mot de notre chef de la sécurité, Madame Elazar. Pour protéger la vie privée de vos collègues, les terminaux de sécurité seront utilisés uniquement. Si vous ne portez pas d'uniforme bleu, vous n'avez probablement pas les autorisations nécessaires. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est ça! Instant. Comment on l'a remis à zéro? Ah oui, c'est là. Il y a quoi d'autre? Dossier, ça on a tout fait. On a tout fait. ACB, AC. Ah. C. B. C'est le gros. Ne rien faire.
pris rendez-vous ? Non. Écoutez. Ouais, parce qu'en fait, j'avais pas fait attention que il y a des journaux audio en fait qu'on n'a pas lu, qu'on n'a pas écouté. C'est ça ? Ouais, c'est ça. Je sens une certaine frustration. Il y a des mois entiers que j'ai juste oublié. J'ai écouté les enregistrements, lu les recherches. J'ai essayé de rattraper mon retard. Savez-vous combien de fois nous avons eu cette conversation ? C'est la cinquième fois. Ça se passe toujours comme ça ? Pas toujours. Qu'est-ce que ça veut dire ? À votre avis ? En tant que thérapeute, ça devrait vous inquiéter. Vous avez laissé un message à votre attention. Voulez-vous l'écouter ? Non. Ça pourrait vous aider ? J'ai dit non. Ce n'est pas moi. Pourquoi dites-vous ça ? Je sais pas. Je le sais, c'est tout. Vous étiez d'accord. C'était votre idée. La vôtre et celle d'Alex. Je n'ai jamais donné mon accord. Ce Morgan n'est pas moi. Jamais je... Vous savez ce qui se passe dans le département psychotronique ? Vous le savez ? Si c'était le cas, je ne pourrais rien dire. Vous comprenez ? Qu'est-ce que vous savez sur les typhoons ? Nous ne devrions pas parler d'eux. Pas sans votre frère. Eux. Alors vous savez, espèce de vipère. Comment vous pouvez rester assis là ? Morgan, respirez profondément. Tenez. Je ne veux pas de pilule ! Je veux que cette station ferme ! Je veux que la Terre... Morgan... J'ai dit non ! Très bien. Je vais appeler Alex. Intéressant. En gros, il y a... En pratique, il y a plusieurs Morgan. Il y a le Morgan de base. Donc je pense que le Morgan de base était un connard. Car il faisait des expériences et tout ça. Il a appris comment fonctionnaient les typhoons et tout. Et il s'en est servi sûrement. Après, peut-être... Je sais pas, il s'est enlevé la moitié de la mémoire. Genre comme là. Comme dans l'enregistrement. Puis après, il aimait pas trop ce qu'il était. Enfin, je sais pas. C'est un peu étrange. Et maintenant, il y a Morgan, nous. Où c'est qu'on a complètement perdu la mémoire. On a plus aucun souvenir. Éveille le pouvoir obscur de la force. On va faire ça. Et pour le moment, Alex a l'air d'être... a l'air d'être un problème. Enfin, on va voir. On va lui parler, déjà. On va voir ce qui se passe. Ah, putain, chien. Quoi ? Il est mort, l'autre ? Alors, faut qu'on remonte ici. Bureau et coffre-fort. Ah, maintenant on peut tout hacker, on peut tout vérifier en fait. Même sans son accord, ça c'est cool. Alors, comment j'avais fait pour... Par là. Hop. Hop. Ah, qu'est-ce que c'est facile maintenant avec les sauts qu'on fait. Oh. Oh, magnifique. Magnifique. Morgan, je ne vais pas pouvoir...
pouvoir te rejoindre. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de piège. Juste un cadeau de la part de ton grand frère. La vérité, comme promis. Il m'a fallu du temps pour la découvrir. Quelqu'un voulait te la cacher. Mon ordinateur, une autre vidéo. Regarde-la, on parlera ensuite. Je t'envoie le mot de passe, enfin, si tu n'as pas déjà piraté le système. T'as de la chance. J'allais le pirater. J'attends, regardez la vidéo dans le... Oui, c'est bon. C'est quoi Cheng Huangshen? Ça va sûrement dire quelque chose. Alors, commande du miroir. Ah, ça c'est la passerelle qui doit être au-dessus là, qu'on avait vu. Dossier. Ah, mais ça on le connaît. Alors, je l'ai trouvé au département de Rando au-dessus d'un meuble informatique. C'est à croire que l'on essaye de la cacher à côté d'un pactage de survie. Devrait m'inquiéter, toujours pour information. C'est de Sarah à Alex. J'ai besoin de votre aide pour retrouver une carte d'accès. Il s'agit d'une mission prioritaire. Elle porte l'identification EP101. Tenez-moi informé. Daniel Choa, Alex. C'est un réveil n'importe où. Demande une permission de lancer une recherche. Je parlais à Lorenzo sans obtenir de réponse. C'est pourquoi je me tourne vers vous. Nous avons des preuves qu'un opérateur sans immatriculation se trouve sur Talos 1. Ah, c'est sûrement January ou December. Vous m'avez confié la mission de garder tous les membres de cette station en bonne forme physique. Je me trompe, monsieur. Vous faites vous aussi partie des membres de cette station. Encore écoutez, vous m'avez manqué 5 derniers tests sportifs. N'oubliez pas que vous faites. Pardon, ok. Morgan a effectivement changé. Je vous ai envoyé les comparatifs. À vous et bel ami pour évaluation. Comme le constatez, le glissement de personnalité est visible et supérieur à ce que j'attendais qu'une utilisation lourde de neuromodes. Il est encore plus important en raison de la durée du développement du changement. Comme demandé, je n'ai pas abordé le sujet avec Morgan, d'ailleurs, absolument pas conscience. Je pense que cela pose des questions intéressantes, d'autres implications neuromodes de manière thérapeutique, mais aussi de reconditionnement. Bizarre. Par contre, on va faire ça d'abord. Ah, on a le code. Si jamais les choses tournent mal et qu'elles sont dans l'état auquel je pense, la seule option sera la fuite. Et prévenir les gens de ce qui se passe sur Talos One. Alex possède un module d'évacuation personnelle. Il est verrouillé. J'ai fait une copie de la clé et je l'ai cachée en haut de la tour de données près de la chaise. Tu sais de laquelle je parle. Écoute. Cette fois-ci, c'est plus important que nous, que cette station. Si une seule de ces créatures parvenait à revenir, ce serait la fin. Je fais toujours ce rêve. Je suis dans l'espace. Je scrute l'obscurité. Et il y a quelque chose. Je le sens. Je ne peux pas le voir. Mais lui me voit. Je le sens. Il nous déteste. Tu sais de quoi je parle. Ou tu le sauras. Bientôt. Je pense que... Il y a plusieurs fins, on est d'accord. On m'a dit qu'il y avait plusieurs fins. Donc je dirais... Ou on fait tout péter, genre on suicide. Ou on rentre sur Terre et... Bon bah si on est humain, ça va. Si on n'a pas de choses typhoon, on est bon. Et... Après, il y a l'inverse, où c'est qu'on est un typhoon, sûrement. Je vois bien les fins comme ça, en fait. Alors, regardez la vidéo dans le bureau. Alors, je sais que on a ça. Quartier de l'équipage. Ouais, je me rappelle qu'il y avait... Oh, putain, il y avait un truc. Il y avait une chambre qui était complètement fermée. Bon, on va continuer l'histoire principale vu qu'on est là, mais après il faudra aller vérifier cette chambre.
m'appelle Morganiou. Nous sommes en 2035. Je suis sur la station de recherche Talos One. Quoi d'autre? Pourquoi faisons-nous cette vidéo? Ah oui, parce que mon grand frère est paranoïaque. Les données psychométriques montrent de grandes variations dans les schémas de personnalité entre les différents tests des nouveaux neuromodes. Peu importe, je ne me suis jamais senti aussi bien. Je veux dire, regarde un peu. On a réussi, Alex. Ça marche. Profites-en tant que ça dure, parce que dans quelques minutes, tout disparaîtra après extraction et réinitialisation. Je sais, et ma mémoire aussi. C'est le seul moyen. Parlons de la sauvegarde. Bon. Les organismes Typhoon semblent produire une structure élaborée, un matériau inconnu, un but inconnu. Mon instinct me dit que c'est une sorte de structure neuronale, mais externe. On attend les analyses pour confirmer. En attendant, j'ai donné à Alex le plan d'un appareil qui pourrait tout bloquer, en cas de fuite du sujet. Alex doit juste s'armer de courage et le fabriquer. Pas besoin de t'attribuer tout le mérite. Et si ça ne marche pas? Ça marchera, crois-moi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Tout faire sauter? Ça nous sauvera pas. Et si ça marche? Ça vaudra le coup? Les gens qui nous succéderont seront plus forts, plus doués, immortels. Ils pourront nous juger s'ils veulent. Mais ils sauront qu'ils existent grâce à tout ce qu'on a fait. C'est bon. Je suis prêt. Bon. Eh bien voilà. Tout ce que j'ai fait, c'était toi qui me l'avais demandé. Je pensais que tu ne me croirais pas tant que tu ne l'aurais pas entendu de ta propre bouche. À cause des tests, tu as changé. Pas beaucoup au début, mais à force de vider ta mémoire, je ne te reconnaissais plus. Tout ce que je veux, c'est retrouver mon frère pour qu'on puisse finir ce qu'on a commencé. L'appareil dont tu as parlé, c'est une version avancée de l'émetteur d'ondes zéro. C'est le seul moyen d'arrêter les typhoons sans détruire tout ce que nous avons entrepris jusqu'à présent. Il ne nous manque plus que quelques données du corail pour finaliser le prototype. Aide-moi à le terminer, Morgan. Et je te donnerai ma clé d'armement. Je ne pense pas que tu décideras de l'utiliser, mais tu l'auras. J'ai laissé une puce pour toi sur mon bureau. Tu devras mettre à jour ton psychoscope pour scanner le corail. Je t'enverrai l'emplacement des zones à scanner. Oula. Alors, faisons un petit récapitulatif de ce qui se passe, parce que je suis pas trop sûr. Donc, à l'origine, bon, ils ont fait des expériences sur les typhoons, etc. Mais ils voulaient seulement les utiliser pour devenir meilleurs. Pour devenir des super-humains. Des choses comme ça. Puce. Augmente les champs de coups critiques avec les pistolets. Oh, ça c'est bien ça. Et modification pour scanner le corail. Ok. On va devoir utiliser. Permet d'installer deux puces supplémentaires. Donc, après ils ont vu que les typhoons en fait étaient dangereux. Enfin, ils communiquaient d'une certaine façon, machin. Ah, donc c'est dangereux. Et ils ont trouvé un moyen, je crois, avec une arme qui utilise des ondes zéro, comme les grenades qu'on a, pour pouvoir garder les habilités en fait de Typhoon, mais sans que ça soit un danger pour les humains. C'est ça, on est d'accord. Ah oui, il y a ça, faut que je fasse descendre. Mais après... Déplacement. Enfin, après, j'ai pas trop compris pourquoi il lui... Morgan, cette vidéo est... Je la confronte encore à mes directives. Mais si scanner le corail vous permet d'accéder à la clé d'armement d'Alex, alors c'est peut-être la meilleure option. Connaître la finalité du corail confortera peut-être votre décision de détruire Talos One. Soyez prudent. Il nous reste peu de temps.
Après, il y a une chose bizarre, c'est pourquoi il a continué à lui retirer la mémoire. C'est pour continuer les expériences, en fait, c'est ça? C'est pour pas qu'il devienne trop Typhoon, mais à chaque fois qu'il puisse continuer à tester la puissance des Typhoons. C'est ça, je pense. Parce que plus t'en mets, plus tu deviens comme eux. Hein. Donc, je dirais que c'est ça. Alors, obtenez la clé, scanner le corail. Mais d'abord, on va faire ça. Quartier d'équipage. C'est où le quartier d'équipage? Chambre d'Alex. C'est là-bas. S'accrocher par sécurité. Ah d'accord, okay. Oui, oui, ça revient au même, enfin, c'est pour éviter que le côté Typhoon prenne le dessus. Oui, dans l'idée c'est ça. Ouais, non, c'est sympa. Et après, à chaque fois qu'il lui enlevait la mémoire, en fait, enfin des portions de mémoire, ça devenait de pire en pire parce que Morgan changeait. Il avait peur, il devenait pas paranoïaque, mais il avait peur des Typhoons. C'est pour ça que, genre avec le docteur là, Devris, je sais plus trop quoi. Il lui disait, vous êtes au courant des Typhoons, machin, il faut détruire la station, c'est dangereux. Ça va, ça, je comprends. L'histoire est cool, histoire sympathique. Ah, mais on est juste là, ah, ça va, c'est cool. Ah! Cauchemar! Cauchemar da! Cauchemar! Ah tiens, du coup on va tester ça. Ça va le... La puissance du flingue avec les critiques, c'est sympa hein, quand même. Hein. Putain. Oh merde. Faut faire plus de... Faut faire plus de... De balles là. Ah, t'es toujours là toi. C'est quoi ce bordel? Alors après le truc c'est que il aurait pu quand même falsifier tout ça Alex hein, mais bon pour le moment ça me paraît un peu ça me paraît pas mal l'histoire. Ça me paraît plausible. Réacteur peur, c'est bon. Réacteur peur, c'est une puce. En tuant un Typhoon, peut infliger une onde de peur aux autres Typhoons proches. Ouh. Ouh.
Alors, en touchant le corail, on récupère du psy. Yes, pas mal ça. Installer des capteurs de porte améliorés. On s'en fout. Ouais, ça on s'en fout. Alors, je vais trouver absolument aucune image du chef quittant l'appartement de Morgan. La production elle a reconnu que le visite était d'ordre médical. Et incité de faire qu'elle n'est pas mal interprétée. Okay. Maintenant, faut que je fasse attention à mes sauts en fait. Terraformer Mars. Ah c'est. C'est à ça que ça ressemble en fait le lavabo en or là. Parce qu'il y en a. J'ai trouvé celui-là qui était glitché. On voit à travers, c'est marrant, c'est bizarre. C'est bizarre qu'il l'ait jamais corrigé en fait. Bon bah c'est tout, y'a pas. Bon. Bon, on va scanner. C'est quoi ça? Non, c'est bon. Ah, maintenant on a une carte en plus, peut-être qu'on peut ouvrir la Sarah, non? Ça m'étonnerait, mais. J'ai rien dit, on se casse. J'ai pas tout vérifié? Obtenir la clé d'armement. Non. Ça non. Chercher la clé du module d'évacuation. Ok. Désolé, j'ai oublié. Enfin, j'avais oublié. La clé du module d'armement. Où est-ce qu'il aurait pu mettre la clé? Derrière les machins. Aha! D'accord. On peut vraiment s'échapper de Talos maintenant? On pourrait vraiment s'échapper? Moi je dis pourquoi pas, on teste. On sauvegarde avant et on teste. On regarde si ça fait une fin ou pas. Bon mais là, en gros, c'est... Laisser le bordel avec les typhoons qui arrêtent pas de grandir sur la station et nous on rentre sur Terre quoi.
on rentre sur Terre à moitié Typhoon, quoi. Là, c'est, en gros, c'est ça. Là, c'est bordel.